de 17 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas non plus. Un bout de... à la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est parti pour ce match d'une importance capitale. Et une première percée peut-être avec Nicolas Pépé qui tente de lancer dans la course Jonathan Kodjia. Intervention de la défense. Vous voyez dans les conduites de balle, Baptiste, c'est compliqué. Ouh. De quelle couleur va être le carton? Parce que c'est un tacle par derrière. Et il s'en sort plutôt bien là, point voie vie. Ouais, après une perte de balle sur ce pressing. J'ai pas compris, c'est pas des gestes très classe. On sent que les... Je ne veux pas le faire tomber non plus. Il a pris l'information Nicolas Pépé. Qui a voulu renverser le jeu, il le renverse finalement, mais... Ouais, mais vous voyez. Kodjia a sollicité, oh, il est accroché. Il n'y aura pas de pénalty, pas de coup de sifflet. J'ai l'impression qu'il était déséquilibré dans la surface de réparation à l'ancien pensionnaire de deuxième division anglaise. Ah, pour moi, il y a quelque chose là dans la nationalité sportive ivoirienne. Oui. Malgré ses performances incroyables avec West Ham, c'est important de faire confiance aux anciens dans les sélections ivoiriennes notamment. Ben, c'est important, oui, dans l'accompagnement, même si là il y a une faute sur Abelosson. Carolus à la manœuvre de ce coup franc. Attention, c'est bien frappé. Egbo qui claque ce ballon au-dessus de sa transversale. C'est la première chaleur dans ce match. Impeccable Egbo là qui a bien anticipé parce que. Tentative qui était signée Serédier. Ouais. Ça va pas être facile pour les gardiens. Il va falloir. Il n'est pas parfois marqué des buts. Hein. Oh. Type de relais entre Gradel et Gervinho, ça n'a pas fonctionné. Le meilleur pied c'était la tête et oui, c'est Alex Dupont, c'est Alex Dupont, le regretté, oui. Alex Dupont. On pense très très fort à lui et on embrasse ses proches. Morel faute sur un vélo sans faute qui sert à rien. Avec la sélection ivoirienne issue du centre de formation de la JOCR et qui évolue désormais. Alaina qui a un petit peu de champ devant lui, qui peut glisser qui allonge déviation de la tête, hey, de Sébastien Allaire, toujours très intéressant dans ce domaine. Ballon long de ligne, bien joué là avec Paulin Voivy qui met ce ballon dans la surface. Une faute ensuite, dommage de Bastien Henry. Le plus souvent possible. Dans la mesure où le ballon ne répondit pas à plusieurs reprises aussi. Et Métanier qui ne prend pas de risque, qui prolonge le ballon en touche. Et Patrice Bobet qui porte aussi bien la chemise qu'Hervé Renard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Roby. Ah oui. Max Gradel qui tente sa chance directement. C'est complètement raté. Et ça se lit hein, sur le visage du staff ivoirien. Il a contrôlé ce ballon du bras, je crois, Max Gradel. Y a-t-il eu un tirage de maillot? C'est ce que. Dans ce stade flambant neuf. Nicolas Pépé. Oh, il est bien frappé! Oh, le coup de tête qui passe à côté du cadre. La tête de Serge Aurier, je crois. C'est Franck Caissier qui a repris ce quart, qui va pouvoir repartir. Ouh, la roulette. Bravo pour cette roulette. Et la faute derrière. Ça n'a pas fait plaisir. Non. Ryan Ravelosson qui a été séché ensuite après ce geste technique. On est par Franck Caissier. Il y avait de la présence, il y avait 4 joueurs en plus de lui présents dans cette surface. Oh, le centre est de qualité. Ouais. Gervinho avait coupé. Allaire aussi. Et personne pour mettre ce ballon au fond. Ah, ils sont dangereux, ces centres comme ça qui. Récupération très haute malgache. Et le coup de sifflet et le coup franc très dangereux à mettre l'actif de Madagascar avec Carolus qui est venu s'octroyer ce coup franc. Et là il m'arrêtera. Il en a marqué un magnifique, on se rappelle, lors de la CAN 2019. Ouais. Marco Elaïma, ça revient dans les pieds de Carolus.
Carolus avec Lalaina. Lalaina qui était arrivé lancé, avait pris beaucoup de vitesse et l'intervention de Simon Deli qui a tendu la jambe au bon moment sans faire de faute. Le corner pour Madagascar à suivre. Le posé qui est trouvé avec Maxwell Cornet qu'on l'a pas beaucoup vu. Maxwell Cornet pour le centre. Il y avait la Sultan Olympique à la Alassane Ouattara qui accueillera la CAN 2023 qui se déroulera ici pour sortir. Ah oui. On n'a pas besoin d'armes. Non, là, c'est, là, c'est... Regardez. Il met n'importe comment le petit corner. Ouais. Et la reprise. Oh, elle était belle cette reprise. Elle a été relâchée par Melvin Adrien. C'était énorme chaleur là sur le but de Madagascar. Il est félicité par ses partenaires parce que... Oh, la bonne prise de balle avec Gervinho. Oh, qui fusille Melvin Adrien, Gervinho pour l'ouverture du score, 48e minute. Ils sont cueillis à froid les Malgaches, un peu endormis dans cette entame de seconde période. Et Gervinho, l'éternel Gervinho, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre l'avantage 1-0. Et c'est vrai que ce sont les Ivoiriens quand même qui sont entrés mieux dans cette période, dans cette seconde période, pardon. Et c'est encore un ballon qui... Gervinho remise. Le centre du pied droit de Maxwell Cornet et faute de Nicolas Pépé sur Jérôme Lambris. Premier vainqueur. Oh, le contre favorable pour Nicolas Pépé dans la surface. Le coup de tête. Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Sébastien Allaire qui vient placer ce coup de tête. C'est son premier match avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son premier but. Et c'est Max Gradel qui lui offre 2-0. Ouais, Max Gradel qui est encore dans l'action parce que sur le premier but, c'est lui qui se fait peut-être contrer, mais il oblige justement Jérôme Monbris à commettre cette faute. Et là, les nombreux Ivoiriens qui est autour avec ce crochet là. Et le corps, la rentrée, le but. Paulin Voivy pour le but, ça fait 2-1 désormais pour la Côte d'Ivoire. La réaction de Madagascar. Ce match n'est pas fini, loin de là. On pensait que la Côte d'Ivoire avait la rencontre en main, en fait pas du tout. Il y a eu un petit moment de flottement qu'ont su exploiter les partenaires de Lalaina Nomenjana. Vous savez, les pluies tropicales en Afrique, elles font pas son nom. La frappe lointaine qui va passer hors cadre. Touche de balle, cherche Lalaina. Oui. On sent la plus grande facilité du côté. Белый шорт. Да какие белые шорты, ты дурак? И чё здесь? Чё здесь? Чё здесь? Ты думаешь, это тебе бомбовый сет? Жил тут где спит? Он нет, он в сети же был недавно. Чё надеть?